Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlogmas numéro 7. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, mes enfants ont ouvert leur calendrier de l'Avent. Ici, je viens de les déposer tous les trois à l'école. Donc maintenant, je vais rentrer à la maison pour ouvrir mon calendrier et celui de Chéri. Donc voilà. Ici, je voulais vous montrer, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont les boucles d'oreilles que je vous ai montrées hier dans le hall action. Elles sont chouettes, peut-être un chouïa plus trop grande pour moi. J'avais vraiment envie de petites créoles, mais elles sont bien quand même. Et elles tiennent bien, j'ai rien avec celles que j'avais hier. Je les ai laissés plusieurs jours, je me suis lavé avec et j'ai dormi avec et franchement nickel. Donc n'hésitez pas si vous les voyez à action, foncez. Donc ici je vous dis à tout à l'heure, le temps que moi je rentre à la maison. Hey, je vous retrouve. Il est beaucoup plus tard. Il est 18h40. Voilà, finalement, j'ai pas eu le temps de prendre ma caméra avec moi et de toute façon, je n'ai rien fait d'intéressant entre guillemets à vous montrer. Ici, il y a juste les quelques images que vous avez vues juste avant. Je suis passée dans un magasin de jouets. Je vais vous montrer les petits achats donc, que j'ai faits. Donc pour commencer, donc pour offrir, et ça c'est, il était à 24 euros, donc à 25 euros on va dire. C'est donc c'est un petit camion qui fait de pompier qui fait du bruit. Je vais éviter d'appuyer dessus parce que mes enfants ne sont pas loin, même si ce n'est pas pour eux. Donc un petit camion de pompier court le même. C'est un petit garçon, mais il adore prendre les choses de sa maman, l'aspirateur et tout ça. Donc sa maman, elle a dit il faut absolument prendre un petit aspirateur pour lui, ce qui est fait. Donc pour 32 euros, un petit aspirateur. Donc il est écrit avec tourbillonnement des petites billes. Donc voilà, c'est de la marque Miele. Et donc bon, il a l'air vraiment super marrant. Donc il n'y a pas de pile, mais donc voilà. Et il y a les petits accessoires et tout, il y a le petit fil. Donc voilà, c'est ce que la maman voulait, donc c'est ce que j'ai pris. Donc je vous ai montré dans la vidéo que j'avais choisi. C'est pas celle qu'ils voulaient à la base, mais c'était leur deuxième choix. Donc ici, c'est une voiture télécommandée Mario. Donc ici, c'est Luigi. Et celle de Mario. Je me tâte d'aller les rendre parce que, en fait, à la base, si j'y pense, je mets une petite photo. Ils voulaient avoir le quad, donc le quad Mario et Yoshi, mais je n'ai pas trouvé dans ce magasin-là, donc j'ai pris ceux-là. Donc je leur avais déjà montré des petites photos donc, pour que Père Noël puisse choisir. Et ils avaient donné ce deuxième choix-là, sauf que quand je suis passée dans l'autre magasin avec pour acheter l'aspirateur, j'ai trouvé les fameux quads. Donc je suis un petit peu dégoûtée. Je vais voir si je ramène cela et dans l'autre côté je rachète les voitures. Je verrai, je ne sais pas. Donc j'aime toujours bien acheter un cadeau et des plus petits cadeaux. Donc ici que je les mette ensemble. Ils aiment beaucoup les voitures. Et donc ici, il y en a une, c'est pour
c'est sur le thème de Cars, et l'autre, c'est sur Batman. Parce que récemment, mes deux petits, donc Victor et Thiago, aiment beaucoup tout ce qui est Batman. Enfin, ils regardent pas forcément le dessin animé, mais ils aiment bien les personnages. Donc ici, pour ce qui est d'abord de Cars, j'ai pris, c'est Jackson Storm, comme ceci. Donc ils ont déjà tout ce qui est Flash McQueen et tout ça. C'est celle-ci, donc Jackson Storm. Celle-ci, elle est à 10,99 €. Et en complément, j'ai pris celle-ci, donc de Batman, qui est à 3,99 €, donc à 4 €. Voilà, comme ceci, un peu bleuté gris. Voilà. Et donc ça, c'était pour Thiago. Et pour Victor, ben, j'ai pris, et celle-là, elle change de couleur, je viens de marquer maintenant. J'ai pris ici Martin. Et comme deuxième petit, donc Martin qui est à 10,99 €. Et ici, j'ai repris une deuxième, et celle-là, elle est vraiment belle. Donc de Batman à 3,99 €. Comme ceci. Voilà pour mes petits achats du jour. Ici, je dois encore commander les petits vêtements pour ma filleule. Et j'ai déjà acheté des petites bricoles en plus. Je vous avais déjà montré dans mon haul Action, il me semble. Donc, tout ce qui est bavoir, les petits jouets pour l'eau et ce que j'avais, les petits cubes aussi à empiler. Et donc, en complément, les vêtements, parce que comme elle est fort petite, il n'y a pas encore grand-chose que la maman souhaite. Donc voilà. Ici, je n'ai pas encore ouvert ma case numéro 7. Ce que je vais faire maintenant. Alors ça, j'ai entendu beaucoup parler de cette odeur-là. C'est un gel douche, donc orange fondante. Donc je pense qu'il y a du chocolat aussi, il me semble. Ouais, on dirait qu'il y a du chocolat en plus. Je vais sentir ça tout de suite. Voilà. Donc, c'était mitigé les avis. Ouais, c'est vraiment l'odeur du Pimps. Il me semble que ça s'appelle le Pimps. Ça sent pas mauvais, mais c'est vrai que moi, je suis un peu moins fan aussi. Mais elle sent bon. Hein. Chérie n'a pas eu le temps d'ouvrir la case numéro 7. Et comme il est avec les enfants, je vous le montre déjà. Et ça, il va être content parce que c'est une crème visage. Et ça, il me disait qu'il fallait que je lui en rachète justement. Et voilà. Donc spécial pour homme de la marque Nivea. Et il va être content. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je n'ai toujours pas acheté mon sapin de Noël. C'est la folie. Même mes enfants m'ont dit, maman, comment ça se fait qu'on n'a pas encore le sapin? Maman doit y aller. Je n'ai toujours pas. Je n'ai toujours pas pris le temps d'y aller. Donc, c'est aussi parce que ici, comme je vous ai dit, nous sommes en travaux. Donc, pour l'instant, le salon salle à manger n'est pas des plus beaux. Mais ça, je vais essayer de faire ça quand même cette semaine-ci pour pouvoir mettre tous ces petits cadeaux après en dessous. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Vlogmas d'hier parce que j'ai fait un concours sur ce vlog là, et donc c'est deux lots différents avec des produits que j'ai ouverts, donc le calendrier de l'Avent de Max & More. Donc n'hésitez pas à participer, tout est dans la barre d'infos. Donc en dessous de ma vidéo, il y a tous les produits plus les conditions pour participer. Et le 26 décembre, je fais le tirage, et dès que j'ai les adresses des deux gagnantes, ah ben, j'envoie tout de suite le colis, et comme ça c'est fait. Donc voilà, n'hésitez pas donc ici pour aujourd'hui à me laisser un petit commentaire, à liker ma vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour le Vlogmas numéro 8. À demain!